Et c'est un exemple, c'est un plaisir d'être avec lui, de le recevoir et puis de continuer de le retrouver chaque année. Avec tous ces cerfs-volants que vous avez au-dessus de vos têtes. Et du reste, il y a des choses très particulières là, cet après-midi. Vous avez par exemple vers la grosse indienne, là, il y a la grande indienne, et puis derrière le guépon jaune, vous avez également un tétraèdre. Tétraèdre, c'est un cerf-volant qui est en forme de tétraèdre, multicolore. Qui est en fait un cerf-volant modulaire, qui est sur la base du cerf-volant à caisse et qui pouvait être multiplié à l'infini, comme ça. C'est des petits tétraèdres, on forme un grand tétraèdre, on en fait encore un autre, et ainsi de suite. C'est un cerf-volant qui a été mis au point par Graham Bell, qui est plus connu pour son invention pour le téléphone. C'est un cerf-volant à caisse qui a mis solidité et légèreté. Et Graham Bell avait construit un cerf-volant de ce type qui... On est prêt. Alors, quand il va arrêter, ne l'applaudissez pas parce qu'il est sourd. Vous agitez vos bras au-dessus de vos têtes. OK ? Monsieur Rebetel, c'est parti.
Monsieur Ray Bacon. Merci pour le Ray, c'est quelque chose. C'est seulement ça, un Ray qui est des copains qui sont sur le terrain et qui deviennent le signe de démarrer en fait. Et puis, oui, ils disparaissent passés en fait.